Allez, salut à tous, c'est Zolozorben pour la suite des aventures d'Until Dawn. Sans plus attendre. Allez, on prend le contrôle. Heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va toi? Alors. Oh putain, tes doigts, Mike! Ouais. Ouais, je m'en sors bien. Mais merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a un putain de psychopathe là dans la montagne. Il. Je crois qu'il veut tous nous tuer. Ok, alors là, on va fouiller un petit peu avant. Ok, que dalle. Après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets? Oh, oh oui. Oui, pardon. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord.
C'est... quelqu'un qui pleure. Il y a trop de trucs d'un coup là. Allez. Super dans ce haut. Voilà. Ça, c'est cool. L'équipe des exploseurs se préparant à dynamiter de nouvelles galeries. 1951. Thank you.
Nouvel indice. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Étrange. Vraiment étrange. Ok, on a fait le tour. Alors, il nous reste que la possibilité de grimper. Qu'est-ce que ça va donner? Non.
Allez, putain de merde! Bordel de merde! Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de faire demi-tour. Normalement, on peut bien descendre par ailleurs, je pense, non? On n'est pas obligé de... aller au fond. Totem, ça faisait longtemps. Danger. Ok. Nous on y va, on sait pas où mais on y va. Ça va nous tomber sur la gueule. Qu'est-ce que ça signifie?
Charmant. Danger, c'est mon putain de surnom. Ok, on est bloqué là, c'est ça? Ok, on n'est pas bloqué. On peut encore aller par là. Ok, donc là on doit être sur la tombe de Bess. On continue la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça c'est glauque ça. Sûr. Aïe, 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 aïe. Josh ? Josh ! Josh. Oh, magnifique. Bravo à tous.
vous en êtes bien sortis. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non, 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 non! Parce qu'elles sont mortes! Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là. C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum, 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 boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer avec marionnettiste de toute cette panique, pas d'objet. Et tout ce sang? Le sang, c'était un festival. Faux cadavres. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non, 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 non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir ma tête. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Il en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet. Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir. Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Hey, les gars! Sérieusement, c'est débile, vous savez? La ferme! Pourquoi tu l'as frappé? Hein? Pourquoi tu l'as frappé, putain? Oh. Mais enfin, de quoi tu t'as parles? T'as frappé Ashley, sale ordure! Oh, je suis devenu dingue! On frappe pas une fille! Ça se fait pas! Chris, sérieux, mon pote? Chris, je suis pas ton pote! Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, mon pote! Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin! Allez! Enfin quoi, j'ai rien fait du tout! Tu te fous de ma gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es! J'ai vraiment rien fait! Mike, pitié, putain! Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess! Sermonner, faire taire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Franchement, tu ferais mieux de la fermer. Chris, hey, s'il te plaît, mon pote, on est partenaires. Arrête de dire ça. Joue au con! Tu veux voir les choses comme tu veux les voir. Tu es... Ferme-la, putain! Tu es grand! Aïe. Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour! Oh, pardon, je t'ai fait mal? Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Dans ce cas, je suis tellement désolé! Arrête! Stop! Mike! Michael, je suis désolé, mec! Tu sais pas à quel point je suis désolé! Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica! Mais je te jure que je sais absolument rien de tout ça! Josh, réponds-moi franchement. Tu penses vraiment qu'on va te croire rien qu'une seule petite seconde après tout ce que tu nous as fait subir? Ok, on peut passer à autre chose. Putain! On ne plaisante pas! C'est pas juste! Non! Ça ne devait pas du tout se passer comme ça!
Vous êtes une bande de sales brutes. Vous pouvez pas partir. Vous pouvez pas me laisser crever ici. Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon. Ah oh. Stop. Faut vraiment, vraiment, vraiment que tu la fermes, mec. Je sais même pas ce que tu peux dire, non, parce que j'ai vraiment rien à regretter. Oh là là. Ok, on me ligote là, ok? Bouge pas, ouais, mec. Ouais, très bien, mais tu peux pas les attacher si ils gigotent comme ça. Josh, sérieux? Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Moi, j'irai, ok? Moi, j'irai, je peux... Je peux plus bouger. Dédé en place. Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Il a déjà dit ce genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Hey, Mike. Quoi? Si on parlait de Jess, Mike. Tu sais ce qui s'est passé? Non. C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je ne me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Zombie Mike, appelle Josh. Cette fils de pute! Stop! Arrête! Qu'est-ce que tu fous? Mais t'allais tirer! J'essayais juste de l'embrouiller. Je voulais lui faire peur. Histoire de lui rendre l'appareil. Ah ouais, mais merde, j'aurais pu le tuer! Du calme. Ça va. Il va bien. Ça m'a pas plu de faire ça. Ouais. Là, au moins, il se tait. Tu devrais rentrer au chalet. Hein? Quoi? Mais pourquoi? Je vais le surveiller jusqu'à demain matin. Et j'ai pas besoin que tu le massacres comme un taré. C'est pas juste. Je pensais que je te protégeais. Ouais, bah mission accomplie. Va te reposer. Mais c'est quoi le problème? Bon, allez, retourne au chalet. Vite. Mais... Vite!